quand ils ne sont pas devant les feuilletons télévisés qu'on leur diffuse à l'heure où les enfants rentrent de l'école, au fameux feuilleton brésilien, eh bien, les parents qu'on accuse de tous les maux ne passent pas 2 heures par jour avec leurs enfants. Socialement, bah vous êtes comme tous les autres. Si vous êtes élevé dans une société française qui privilégie vieux ton et puis le cheveu lisse, eh bien automatiquement, si dans votre environnement, on n'a pas construit une vision de groupe chez vous, bah vous faites comme les autres. Le problème, c'est que les autres sont construits en groupe et qu'ils se demandent pourquoi vous les copiez. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Donc à un moment ou à un autre, nous, les parents qui n'avons pas construit nos enfants, non pas pour les séparer des autres, mais pour leur expliquer que le monde est divers et qu'il est constitué de groupes divers et que chaque groupe a ses valeurs, ses coutumes, ses couleurs, ses goûts, etc. Pourquoi est-ce qu'on aime aller manger chez l'Italien, chez l'Indien, chez le... C'est l'une des choses d'ailleurs que le monde sait faire le mieux, mettre ensemble, aller goûter l'italien, et là on est dans la diversité. Mais quand il faut partager d'autres choses, la diversité, ben, elle est sous nos pieds très facilement, elle nous gêne. Mais on goûtera à tout ce qui est nourriture, peut-être parce qu'on est curieux, et culturellement ça nous intéresse aussi. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le goûter l'autre, dans le découvrir, dans l'apprécier pour ce qu'il est, sans porter des jugements de valeur sur ses vêtements, ses couleurs, ses cheveux, etc. Donc les classements dans lesquels nous vivons actuellement, qui nous gardent dans la société, ces classements-là nous viennent de sociétés dominantes ou de sociétés qui, à un moment ou à un autre, ont pris le pas sur d'autres, ont imposé leurs valeurs et leurs intérêts. On est bien des êtres de société, on vit en société, nous sommes, dit-on, les seuls animaux qui ont inventé la société. Moi, quand je regarde les autres petits animaux, plus petits que nous, ben, je les trouve drôlement plus socialisés et plus respectueux de tout le monde que nous. Nous sommes les seuls animaux qui vivent en société, qui ont créé les sociétés. Mais quand je regarde... Donc quand on prend en compte, ben, si vous voulez, la façon d'organiser la société, eh bien on se rend compte que, bien sûr, on a besoin d'ordre, de règles, etc. Et au-delà des discours sur la République une et indivisible, la démocratie, etc., eh bien on est plutôt dans de sales traitements, dans des manières qui font honte à ces beaux discours, qui nous apprennent d'ailleurs, qui nous font déchanter très tôt quand on a compris que souvent ce sont des discours creux. Donc, ce qu'il reste à ceux qui n'ont pas les moyens d'imposer leur vision du monde, leur goût, leur couleur. Moi, j'ai pas besoin de vous apprendre à aller manger dans un restaurant sénégalais que j'aime beaucoup. Vous allez aller et puis vous allez trouver que c'est bon. Mais vous aurez peut-être des problèmes de laisser un Sénégalais arriver au même niveau que vous. Enfin, je parle peut-être pour d'autres catégorie de population, je ne sais pas. Est-ce qu'il a le droit d'être directeur, d'être chef, elle ou il, d'être chef parce que sa nourriture est si bonne? Je m'en régale, mais est-ce que quand je serai en compétition avec lui, je vais lui laisser même m'enseigner, me dire oui, c'est mon égal? Parce que la République, à son fronton écrit « Liberté, égalité, fraternité », me stimule dans cette conception-là, voilà. Mais dans la réalité, je suis dans autre chose. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas faire la guerre aux autres, parce qu'ils sont dans leur fantasme aussi, parfois de supériorité, mais peut-être apprendre à définir ses frontières et à défendre ses valeurs et à les transmettre à ses enfants. Nous avons laissé la société et l'école qui n'est pas faite pour nous. Cette école-là, c'est elle. Les parents se déchargent un peu dedans pour dire ben, « la crèche fait ci, l'enfant c'est ça ». À la Martinique, je demande aux parents « combien de temps passez-vous avec vos enfants ?» quand ils ne sont pas devant les feuilletons télévisés qu'on leur diffuse à l'heure où les enfants rentrent de l'école, le fameux feuilleton brésilien, eh bien, les parents qu'on accuse de tous les maux ne passent pas 2 heures par jour avec leurs enfants ou vos enfants, sont 80-90% de leur temps hors de chez vous, hors de votre influence, hors de votre culture, hors de vos goûts, hors
d'abord de vos savoirs, de vos transmissions. Et qu'est-ce qui fait que les autres arrivent à se constituer et se transmettent quand même en entité qui fonctionne? Les petits Chinois qui arrivent là et qui vont à l'école et qui sont regardés comme des enfants brillants, comment se fait-il qu'ils restent Chinois alors qu'ils fonctionnent comme à l'école? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous sentez là où le bas blesse? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai plus envie qu'on se dise « les autres nous font du mal ». J'ai envie qu'on se réveille, qu'on se secoue et qu'on se dise « si on est dans cette... » C'est vrai que la société vous a dit qu'elle va s'occuper de vous. Mais il faut arrêter de croire ces mensonges, puisque vous le voyez au quotidien, qu'on ne s'occupe pas de vous comme on s'occupe des autres, qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Vous n'êtes pas le groupe qui a le plus d'échecs scolaires par hasard. En psychologie sociale, on vous apprend, par exemple, que dans les écoles, les enfants noirs sont ceux-là qui sont les moins regardés, les moins sollicités par le regard, les placer plus au fond dans la classe, ceux qui ne sont pas véritablement stimulés. Parce que le corps est un langage. Et je ne vous apprends rien, on n'a pas besoin de vous interroger pour vous faire savoir qu'on s'intéresse à ce que vous dites ou à ce que vous ne dites pas. Les recherches qui sont menées dans ces domaines-là montrent que les enfants noirs sont les moins sollicités. Et chez eux, parce que quand l'enfant a vécu une série de déconvenues dans la journée, il a honte de lui, il n'en parle pas à ses parents, il est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus, j'allais dire, qui va essayer d'effacer tous les malheurs qu'il vit, toutes les déconvenues, et tous les complexes qui s'accumulent en lui, et il va se mettre à mentir beaucoup pour dire oui que ça va, qu'il travaille bien, tricher d'une façon ou d'une autre. Cette façon que nous avons de produire de l'échec dans notre communauté, cette façon-là, elle mérite qu'on s'y attarde, elle mérite qu'on travaille dessus, et elle mérite qu'on dise, si nous sommes encore aujourd'hui à des problèmes de cheveux et de corps, moi je rends responsable nos universitaires ou nos gens, ceux-là qui peuvent vous aider à comprendre ce qui vous arrive ou pourquoi vous avez un problème avec vos cheveux et votre couleur. Pourquoi êtes-vous les seuls à avoir ce problème-là? Il y a bien des blancs qui se trouvent trop blancs et qui vont se faire bronzer. Mais ça n'a jamais donné un problème de l'ampleur que vous avez. D'ailleurs, beaucoup de vous considèrent que blanc c'est mieux. Vous ne vous interrogez même pas sur le fait que le bronzage sur lequel j'ai travaillé et pour lequel il y a un grand chapitre dans Peau noire, cheveux crépus, que signifiait le bronzage pour les blancs? Donc ils ont décidé qu'il y en a qui trouvent que leur peau est trop blanche et qui veulent bronzer. Maintenant, ça n'a pas donné un problème d'état, un problème sur lequel les Français ou les blancs ou les trop blancs de peau passent l'essentiel de leur vie. Bon, sur la question du cheveu, pourquoi y a-t-il un problème que le cheveu crépus soit un problème? Ça pousse sur vos têtes, c'est un prolongement de vos corps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là aussi, je vous explique dans Peau noire, cheveux crépus, comment par le regard on a créé ce rejet de soi chez un groupe humain qui a été déporté dans la violence à plus de 8000 km de son territoire, sans accessoires, les pieds et les mains liés, avec des gens qui les exposaient sur des podiums pour les vendre, qui passaient de la salive sur leurs doigts et essayaient de leur arracher la couche de crasse qu'ils croyaient que leur peau noire était, etc., etc. On les a examinés par tous les pores, par l'anus, par la bouche, par les dents, par etc., pour savoir si c'était de la marchandise de bonne qualité. Des gens qui arrivent, qui n'ont pas ce rapport à soi ni à leur corps, et qui sont exposés à des étrangers, face à des étrangers, dans cette condition-là, pendant voilà, toute la période que va durer. À partir de là, on a inoculé la haine de soi au noir, eh bien, vous avez le début d'un phénomène qui s'explique. Ça s'explique peut-être plus sociologiquement qu'anthropologiquement, mais cela s'explique. Il y a une explication au fait que les gens se sont mis à rejeter leurs cheveux dans la société américaine en premier, en face d'Européens, d'Occidentaux, qui ne comprennent pas le cheveu, qui lui donnent des noms horribles. Crotte de mouton, enfin, toutes sortes de noms horribles que j'ai recensés aussi, que vous pouvez trouver dans Peau noire, cheveux crépus, et qui font que les gens qui sont dans une situation de domination totale, n'oubliez pas, ce sont des gens qu'on met en esclavage, en situation de domination totale, qui vont
Donc se sentir diminué, en minorité. Et quand ils vont demander des accessoires pour se coiffer, etc., eh bien on leur donnera, on ne leur en donne pas parce que la coiffure est longue chez les Noirs et parce qu'on ne connaît pas les règles de leur hygiène, les règles de leur coiffure, les accessoires qu'ils utilisent, on les a emmenés sans tout ça. Donc là-bas, aux États-Unis en premier, après dans toute la Caraïbe, ils vont devoir réinventer les accessoires dont ils auront besoin. Mais en premier, on leur donne les accessoires des Blancs, des brosses, de vieilles brosses qui ne sont plus, qui sont usagées, et des peignes à petites dents, des petites dents qu'on utilise pour un cheveu lisse. Et vous comprenez pourquoi il a fallu se défriser pour utiliser les peignes à petites dents, n'est-ce pas ? La civilisation africaine n'a pas inventé de peigne à petites dents, même si on a eu quelques exemplaires. Elle a inventé un peigne qu'on appelle un peigne afro, et qui est un peigne avec des longues dents pointues qui entrent dans les boucles et qui coiffent le cheveu de l'arrière vers l'avant, et non pas du haut vers le bas comme on coiffe un cheveu lisse. Ces petits gestes-là du quotidien qui montraient qu'il y avait une sorte de complicité, de familiarité, de fonctionnement avec son corps, sa façon de le traiter, avec affection, j'allais dire, ou amour si vous voulez, qui montrait qu'on n'a jamais entendu un Africain dire ou une Africaine dire qu'elle souffrait quand on la coiffait. Mais on l'a entendu dans la Caraïbe, dans les Amériques. Et on a entendu des femmes dire qu'elles haïssent leurs cheveux parce qu'elles souffrent quand on les coiffe. La première rupture d'avec soi, d'avec son corps, première perte de familiarité, première distance, distanciation, distance entre, mise entre soi et son corps. Je vous dis que j'ai lu beaucoup d'horreurs sur ces questions-là. Mais alors là, je suis restée scotchée. Parce qu'elle a une quarantaine d'années, elle n'a jamais considéré qu'elle avait un cheveu sur la tête. Elle le traitait comme je ne sais quoi, une espèce de truc sur lequel elle venait greffer des rajouts, tout ce qu'elle pouvait, jusqu'au jour où elle est devenue chauve et qu'elle coiffait sa fille qui lui a dit « Tu touches plus du tout à mes cheveux. » Parce que regarde ta tête, tu es chauve aujourd'hui à force d'avoir fait des conneries dans tes cheveux. Eh bien, à cet âge, à la quarantaine, elle découvre qu'elle n'a jamais traité son cheveu comme un cheveu, mais comme un machin. Un machin dont elle était tellement détachée qu'elle ne s'est jamais rendue compte que c'était des cheveux qu'elle avait sur la tête. Eh bien, j'espère que ce livre-là sortira parce que vraiment, il faut qu'on sache jusqu'où on peut aller dans les drames quand on voit des exemples comme cela. Donc il y a des gens aujourd'hui qui me font lire leurs manuscrits parce qu'ils découvrent voilà, le nombre d'années qu'ils ont mis après l'apparition quand même de Peau Noire pour accepter l'idée qu'il ou qu'elle dysfonctionnait et qu'il fallait prendre un temps de pause pour écrire ou pour dire ou pour témoigner de ce qui leur était arrivé ou de la façon qu'elles avaient de s'auto-discriminer, tout ce que vous voulez. Donc j'ai travaillé sur ces thématiques-là parce que, comme je vous l'ai dit au début, des gens qui n'aiment pas leur corps ne peuvent pas prendre de place au centre, au cœur de la société. Vous ne pouvez pas exiger une place dans la société si vous ne savez pas y imposer le corps que la nature vous a donné. Enfin, d'autres me diront que c'est Dieu, je ne sais pas lequel, puisqu'on m'a tellement colonisé qu'on m'a offert des dieux blancs. Quand je dis à mes prêtres, aux prêtres en Martinique, mais pourquoi avons-nous besoin d'icônes? Parce que nous sommes très diverses. Enlevez ça, et puis laissez-nous des murs vierges pour qu'on y projette ce qu'on a envie. Non, on me dit qu'il faut les 12 apôtres, le Jésus, Marie aux yeux bleus, Jésus blond, d'ailleurs blondi par éclair. Donc je dis, je ne sais pas lequel Dieu aujourd'hui, parce qu'avec la réflexion que j'ai, vous comprendrez que je n'ai rien contre les blonds aux yeux bleus, mais je ne sais pas, il me semble que la nature n'a pas choisi de me faire comme ça, et que ça doit avoir du sens, d'accord? Donc moi je suis pour que chacun se représente et s'aime, dans sa dimension culturelle, mais d'ailleurs ça n'a pas été dans l'autre sens, ça a été vraiment à sens unique. Quand je vous apporte ces recherches-là, j'ai réfléchi de façon politique à notre destinée. Mais je voudrais qu'après avoir lu ces textes-là,
que vous en tiriez les conclusions qui s'imposent. Autrement dit, que chacun de vous prenne la destinée de son peuple en main pour l'amener vers la dignité qu'il a perdue. Parce que c'est cela, de cela qu'il s'agit. Cette dignité qui fait que, perdue, qui fait que aucun groupe humain ne nous respecte. Vous dites pourquoi en Inde, en Chine, en Europe, en Amérique, au Brésil, les Noirs sont persécutés. On va un jour s'arrêter, regarder sans face? Ou bien on va continuer à faire l'autruche? D'accord? Donc moi je ne suis pas d'accord pour qu'on continue. Pour que je sois, moi qui ai décidé de consacrer ma carrière de chercheur à des problématiques qui nous feront regagner en dignité, sans que nous allions de l'avant. Trouver des solutions, que chacun de nous prenne en charge la destinée de son groupe humain et s'en occupe.